Alors l'Avignon 18e accueille Auxerre 8e, des Auxerrois qui doivent se remettre de la déception à Sedan en semaine, un match en retard perdu 1-0. Après 4 victoires consécutives, les Bourguignons ont rechuté dans les Ardennes. Ils doivent s'imposer à l'extérieur pour se relancer vers l'Avignon. Ne l'entend pas du tout de cette oreille. L'équipe de Franck Dumas espère obtenir enfin une victoire. L'équipe d'Arles-Avignon qui n'a gagné que 3 matchs cette saison à domicile. Auxerre est la première formation à se montrer offensive avec cette reprise de la tête et déjà l'ouverture du score. Ça arrive très vite dans ce match. Le but marqué par Sébastien Allaire à la 27e minute. C'est son premier but de la saison. La barre transversale ensuite pour les Auxerrois qui insistent. L'équipe d'Arles-Avignon n'est pas du tout en place dans ce match. Et Auxerre en profite. Deuxième barre transversale. C'est assez incroyable. Les Bourguignons ont bien failli tuer le match en première période. Mais à la mi-temps, Auxerre ne mène que 1-0. Alors l'Avignon n'a gagné qu'une seule de ses 11 dernières rencontres. Reste sur 5 matchs sans victoire. Et surtout n'a marqué qu'un seul but sur les 5 derniers matchs. Il faut changer quelque chose. Franck Dumas décide de sortir Sébastien Cantini et Raphaël Caceres. Il les remplace par Jordi Leclos et Maurice Dallet. Changement pour le début de la seconde période. 2 changements d'un seul coup. C'est un signe fort pour essayer de renverser la tendance. Une équipe d'Arles-Avignon privée de Ben Saada et de Psaume pour ce match, mais qui se redonne des chances à la 63e minute. Égalisation signée Maurice Dallet pour son deuxième but de la saison. En 4 matchs en pro entre les deux clubs, Arles-Avignon n'a jamais battu Auxerre. Et pourtant, les joueurs locaux mènent 2-1 à un quart d'heure de la fin grâce au premier but de la saison de Jordi Delclos. C'est une grosse modification dans ce match. Auxerre privé d'Adad, Sanogo et Ramos est surpris. La première période était totalement en faveur du Bourguignon. Mais la deuxième est pour Arles-Avignon. Les joueurs de la CA qui retrouvent le chemin de la victoire et qui se redonnent donc de l'élan dans la lutte pour le maintien. Victoire d'Arles-Avignon, 2-1 contre Auxerre.